Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Samy Alloun, bonjour. Bonjour Soraya. Eh bien, ce matin, nous allons parler de ce million d'abonnés à l'Internet, très haut débit, une occasion pour revenir sur l'impératif d'avoir une connexion Internet de qualité pour accompagner la transition numérique du pays. Alors, une connectivité devenue plus qu'essentielle à l'ère du numérique, Internet qui nous permet maintenant d'accéder à des myriades de services en ligne, notamment les VTC, le e-commerce et autres activités similaires qui proposent des prestations de services aux citoyens, aux professionnels, accessibles à travers quelques clics. Alors, un million d'abonnés au réseau Internet très haut débit en fibre optique, c'est le dernier bilan annoncé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, un bilan qui traduit les efforts consentis par les pouvoirs publics pour offrir une connectivité de meilleure qualité, un meilleur débit synonyme d'une navigation plus rapide sur Internet. Un besoin en rapidité exprimé à l'ère du numérique, les entreprises, les administrations optent de plus en plus pour l'approche sans papier, une approche facilitée avec une connexion Internet rapide qui permet d'envoyer ou de recevoir n'importe quel document certifié sans se déplacer en gardant l'authenticité et le document sécurisé. Alors les innovateurs, petites et moyennes entreprises, start-up, basent la majorité de leurs solutions sur les TIC, sur la connectivité. L'Internet des objets par exemple, qui peut être utilisé au sein de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie. L'astuce consiste à équiper des détecteurs en tout genre dans toute la chaîne de production ou de logistique et voir ainsi l'avancement, les entraves et prendre les bonnes décisions. Un million de foyers d'abonnés au réseau Internet très haut débit en fibre optique, des campagnes de proximité sont également menées sur le terrain, donc notamment pour les citoyens qui ont récemment rejoint les nouveaux pôles urbains.